Et salut à tous, c'est Hiroshi. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 eh bien, de Hiroshi Industry. Alors aujourd'hui on se retrouve, eh bien, vous allez voir que j'ai un peu bossé la map, on va dire, comme ici. Vous voyez que une grande étendue plane. En général, là je commence l'épisode, mais après je pense que faire une grosse ellipse, parce que je vais aller dans les grottes, peut-être faire le début avec vous, mais sinon ça va devenir chiant après. Sinon j'ai fait ce grand changement là, j'ai aussi... fait un petit changement, ça va vous changer au prochain lieu qui va devenir peut-être plus important dans le futur. C'est pour ça que j'ai légèrement amélioré. Bon, pour le moment c'est moche, j'avais l'intention de faire ça avec vous, puisque vous allez voir que bon, là c'est toujours comme avant, pas trop de changements, toujours la grande échelle qui monte jusqu'en haut. Vous inquiétez pas, je vais régler tous ces petits problèmes après. Alors pour le moment, eh bien, on va commencer déjà par faire une usine. Alors déjà, une usine qui va nous permettre d'avoir assez de charbon, de charcoal. Enfin, je pense qu'on va commencer par ça, c'est le plus important, parce que charbon, bon, c'est vrai que j'en ai déjà assez, comme vous allez pouvoir. Regardez, j'ai déjà tout ça en cobblestone, donc ça peut déjà nous servir. J'ai de la stone que j'avais cuite, mais bon, je vais peut-être l'utiliser avec vous. Regardez, j'ai quand même 56 coal. On se voit le mettre avec. Voilà. J'avais l'intention de prendre de la cobblestone, j'en ai déjà sur moi, donc en gros là. La stone pour qu'on aille reboucher les trucs moches qui étaient... Oh, ah oui. Bon, quoi. Mon frappe se fait légèrement laguer. Voilà. Voilà. Et là. Et on va lancer ça d'un côté et ça d'un côté. Alors vous inquiétez pas, ça c'est petit four nul. Plus tard ça deviendra un peu plus puissant. Sinon quoi, j'ai rien amélioré de plus, hein, autre que j'ai l'intention d'aller dans la grotte, la découvrir avec vous. Sinon vous voyez que j'ai une chance de charbon assez limitée comme là. J'ai aussi en dessous de moi j'en ai plein. J'en ai sur le côté, normalement la pointe là-bas de l'autre côté il y en a. Moi j'ai fait un peu le tour, sinon on va pouvoir même aller récolter notre champ qui a fini de pousser. Parce que je vous dis, j'ai déjà assez joué sur cette map. Hein. Bon, j'espère que le son n'est pas trop fort. Plus tard on se fera des iron furnaces, hein, comme je vous l'ai dit, qui permettront, enfin des fours de fer qui permettront d'aller plus vite. Alors je voudrais dire que j'ai tourné cet épisode là à la suite, à moins que je l'ai déjà dit. Donc en gros, je baisse un peu le son, pardon. C'est vrai que là j'ai pas fait trop de préparatifs pour cette map, et vous verrez que le prochain épisode va être bien plus préparé que celui-ci. Puisque là on va juste aller dans les grottes se promener, je crois bien que je suis encore en peaceful. Ah, on va prendre de la nourriture aussi parce que j'ai tout utilisé pendant que je creusais. Moi j'ai dû mettre ça dans autre. Voilà, on a du rose beef. Voilà, donc on va prendre ça. On a même de la sticky résine, c'est quand j'ai tapé la dernière fois. Commence déjà à faire nuit. Ça passe vite. Pour éviter le spawn de mobs, je vais me coucher. On va prendre un de ce côté là. Non, on va laisser. Ça va nous permettre d'avoir de la nourriture. Vous voyez aussi, je me suis fait une pioche en fer avec le fer que j'avais récupéré dans le dernier épisode. Et pardon. Ah bon, bon, voilà. Voilà. Et voici, voici. Voilà. Et voilà, et on va aller dormir. Bon, pourtant, je me rappelais avoir mis le jour, mais c'est pas grave. Bon. Alors, les amis, on va descendre en bas. Hop. Et on va aller, avec la stone que j'ai prise, reboucher les trous moches qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que 24 ça va me suffire. Je pense.
pense me faire un plongeoir d'ici pour pouvoir descendre plus rapidement. Prendre l'œuf. C'est bien d'avoir une poule dans le coin. Bon. Il y a un peu... Hop, je vais faire ça vite fait avec vous. Ouh, les lags. Bon, en fait, j'en aurais peut-être pas assez, mais bon, ça va déjà. Boucher, le reste, je le ferai en hors ligne, hein, pour pas vous embêter avec... Ouais, bon, je le ferai en hors ligne. Bien, sinon, les amis, on va partir vers notre petit épisode de grotte. Vous inquiétez pas, vous aurez pas toute la grotte. J'ai mon épée en main. On va aller shooter du zombie. Oui, je me suis aussi fait un petit escalier ici. Bon, rien de nouveau, hein. Juste pour pouvoir monter plus facilement vers le petit chemin. Et la bouffe qui est en train de descendre. Bon, j'améliorerai ça plus tard, hein, vous inquiétez pas. Je pense que dans le prochain épisode, si bon voilà, si j'estime que la série y aille assez bien, vous aurez la première usine qui va se créer. Alors je sais pas, hein, si ça vous plaît, je sais pas tout ça, j'ai toujours pas sorti la série, mais vous l'avez dit. Je ferai peut-être une petite vidéo annonce, je pense. Ok. Alors. Laguer dans une grotte, c'est jamais bon. Ah oui, hein, je suis obligé d'en revenir, attendez. T'as une niveau 16 quand même. Je sais pas. Ouais. C'est pas grave. Non, je pense régler tout ça en bon. Bon, on a déjà une source de fer. Le fer, c'est sacrément important pour bien le buter. Par contre, j'aimerais bien savoir où il est placé. Putain. Comment ils font pour te snapper en une demi-seconde? Ok, il est juste au-dessus. Les amis, on a déjà beaucoup de fer d'un coup. Je sais pas, j'aime pas beaucoup ma situation actuelle. Par contre, on a énormément de chance, je vous le dis d'avance. Je sais même pas pourquoi j'ai eu l'idée de descendre. Bon, on a déjà plein de minerais dans ce coin-là. Je pense que je vais commencer à tout miner. Là, vous voyez qu'on a une petite mine intéressante. On va prendre un peu de copper. Ça sortirait de là, mais c'est pas grave, on va laisser dans son coin. Là, c'est du thym de Industrial Craft, je crois. Il manque un copper. Je vous dis, je prendrai le plus de ressources possible dès maintenant, comme ça pour bien commencer l'aventure. Là, on a bien beaucoup de fer. Ah, beaucoup. J'en ai une petite vingtaine pour le moment. Une petite trentaine. À bientôt rapidement avoir un stack, j'espère. Je vous dis, là, je vais vous laisser. Hein. Je vais miner dans mon coin. Parce que je vais vous dire, ça va pas devenir très intéressant. Autre que découvrir cette petite mine de villageois, là. Vous voyez qu'on a déjà légèrement un peu de fer. Je vais découvrir la zone, etc, etc. Je sais pas si je vous ferai un accéléré, parce que moi j'aime pas la méthode accélérée. En gros, vous tapez plein d'images à la suite. Ok, c'est quoi qui là-haut? On va placer des torches, sinon on va bientôt se perdre. C'est un petit escalier haut, je m'appelle. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là là. Bon,
On a déjà un petit accès par ici qui va nous permettre d'accéder à la grotte de plus facilement. Bon, je sais pas. Mais enfin bref, je vous fais une petite ellipse parce que les épisodes de grotte, moi j'aime pas ça, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan pour vous, hein. À ma place, j'aime pas trop regarder ça. Donc je vous laisse et je vais miner en espérance de trouver du diamant. Parce que sans diamant, on fera rien dans l'aventure. Alors, ben, à tout de suite. Oui, il y a du fer quand je vous l'avais dit. Hop. Allez, à tout de suite. Je vous reprends 10 secondes, eh bien parce que en minant, comme je vous l'ai dit, je suis tombé ici. Ici, bon. Et j'ai trouvé ça. Oula, je suis tombé. J'ai trouvé ça qui est de l'émeraude. Voilà. J'ai juste un petit truc. Sinon, ça, c'est du marbre. Je pense que vous en doutez, ça se mine assez vite. Et j'ai déjà, vous voyez, j'ai trouvé un petit donjon. Avec plein de petits zombies, j'ai trouvé une force boots disc. Je pense un truc assez dur à crafter, voilà. Voilà, en gros, non, enfin, c'est pas trop dur à crafter. Non. Ça va servir pour les ordinateurs que je vais vous présenter plus tard. Et j'ai trouvé un shard, c'est ça, je crois. Non, un crowbar, pardon. Avec, certaines choses, j'ai trouvé des seaux. Bon, pour l'instant, j'ai de l'émeraude. Et j'ai déjà du fer, ah, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je stoppe pas là. Je vous laisse, hein, je continue ma petite mine, je vais juste vous montrer les mots, tout de suite. Bien les amis, hein, comme vous pouvez le voir, vous devez voir que j'ai plus rien. Mon sujet skin de mexicain, c'est que j'arrive pas à le changer. Comme je joue en offline, j'ai quelques problèmes. Bon, je suis mort bêtement dans la lab, d'un truc tout bête. En gros, je voulais vous dire qu'à un moment, je suis tombé plein, full. En gros, je me suis dit, bon, je vais créer des coffres avec les coffres que j'ai trouvé dans un donjon. Et j'ai tout remis les choses importantes que j'ai trouvées dedans. Sauf la pioche en fer que j'emmenais avec moi. Donc, vous voyez qu'on a gardé quand même la force boots disc. On a gardé, bon, la plupart des choses importantes. On a vraiment de la chance. J'ai même du rubis. Mais j'ai une nicolide, j'en ai pas mal. J'ai même de la gunpowder. Je range un peu, hop, j'ai du fer, iron, bon j'ai tout ce qui est important qui est resté ici, mais sinon je voulais vous montrer eh bien la suite de cette grotte. Bon là je vous avoue je suis en peaceful hein, parce que là vraiment pour revenir j'en ai un peu chié déjà. Oui, il y a une partie de mon stuff qui est là. Bon, je veux cette revanche. C'est vrai que je suis pas très doué avec le shift moi. Je sais, j'ai vu la redstone. On va récupérer ce qu'il y a là. Super, on va récupérer le fer que je vais ramasser. Surtout le reste est mort dans cette lave totalement mortelle là. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Je continue un peu la mine. Normalement là je suis à la bonne hauteur pour trouver. Ouh là là, il y a ce qui reste ouvert. Je suis en F3, je suis à 13. En gros, si je me promène un peu plus loin, ben je peux trouver des diamants. J'espérais en trouver avec vous, mais vous voyez que là, on a déjà pas mal d'opsy à avoir. En gros, je pense noter les coordonnées, mettre des torches comme ça. Si à un moment on a besoin, je sais pas, d'une quarry, eh bien je vais venir ici, comme ça j'aurai de l'opsy gratos et rapide. En gros, la quarry, on la met au-dessus et hop, clac, c'est bon. Sinon, bah, on a le fer toujours. Et voilà. Je pense que je vais faire une petite partie de cette grotte avec vous. Et par contre, j'ai plus de torches. Je les ai perdues. Je vous dis, j'ai fait le strict minimum. En gros, voilà. Là, c'est de la nicolite. Là, j'ai de l'uranium que je vais pas tarder à aller chercher. Ne vous inquiétez pas. Là, on a du fer en mauvaise posture. Bon. Pas grave, bon je vous laisse là, je vous retrouve. Hein. Je vous dis, je vous ai fait plein de petits bouts comme ça. Je vous inquiétez pas, vous verrez une partie de la grotte avec moi. Hein. Pour remonter, c'est vraiment une grande faille, j'ai trouvé une grande faille. Donc voilà. J'essaie de vous filmer la première mort, mais bon, j'en ai un peu chié, on va dire. Et si vous regardez sur la minimap, je suis quand même en plein milieu de l'océan. Hein. Donc en gros, je creuse vers le haut, paf, je tombe dans l'eau. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Alors les amis, je vous reprends ici parce que regardez ce qui est par terre. J'en ai trouvé, je suis à la couche.
Alors j'ai pas cheaté, hein. Je suis à la couche 15. 15,5. Attendez, on va déjà voir autour s'il y a de la lave. Là, je viens de casser bêtement le bloc. Voilà. Le premier diamant de cette aventure que j'aurais eu avec vous quand même. Bon. 3 diamants, c'est parfait. C'est juste ce que je cherchais. Au moins, ça nous fait déjà une pioche en diamants. Qui nous permettra bien de commencer à avancer dans l'aventure. Sinon, depuis que je suis mort, j'ai déjà bien 50 iron ore, en gros, plus les 30 qui sont dans le coffre. 3 diamants que je viens de vous montrer, 11 émeraudes, un uranium, 6 saphirs, un rubis, du charbon, de la redstone, du copper, du thym et du thym. Bon, voilà. Non, je sais pas, bon, voilà. Donc, bien, normalement, je pense que je vais continuer à miner, mais maintenant, vous ne verrez plus de morceaux, hein. Bon, 3 morceaux, c'est déjà pas mal, ça se trouve, au montage, j'en mettrai moins. Ne vous inquiétez pas. Je veux que les épisodes soient le moins chiant possible. Allez, à tout de suite. Eh bien, les amis, me revoilà, j'ai déplacé tous les coffres, etc., etc., etc. Et vous allez être étonné, hein. Je vous assure que je n'ai pas cheaté, et vous allez voir mon nombre de diamants époustouflants que j'ai trouvé en baladant, mais vraiment en baladant entre les couches 11 et la couche 2. Regardez, elle n'est pas dans sa salle parce que j'ai fait plusieurs tours, parce que j'en avais vraiment trop. J'ai 32 diamants, 32, je reviens, j'ai jamais foutu en un coup. Sinon j'ai 18 émeraudes, 8 uranium, plus de 2 stacks, enfin à peu près 2 stacks de nicotlite, j'ai quasiment 3 stacks de fer, plus les 12 qui sont là, ou un stack de charbon, ça je vais changer après, je vais aller miner en solo. Gold oré, j'ai apalite, bon non c'est apatite, pardon, copper, et là je vais transférer ce qui me manquait que je viens juste d'aller chercher. En gros, dans les coffres qui me restaient, j'ai quand même des rails. Hein. Alors, j'ai l'intention d'aller aménager la petite salle qui sera en bas. Alors, déjà, mon premier objectif dans cette série va être de créer une source, comme je vous l'ai dit, de bois assez époustouflante et aussi une usine à diamants. Oui, parce que le diamant, hein, je trouve que c'est une des ressources les plus importantes dans ce jeu. Bien sûr, dans certaines maps, ça pourrait ne pas être important. Mais voilà. Alors, regarde, je vais déjà commencer tout d'abord par créer, on va dire, un... Attendez, je le retrouve. Il doit être par là. Ou ouais, attendez, un arboretum, ça s'appelle, je crois. Arbo... Voilà. Il est là. Un arboretum. Bon, j'ai mon arboretum. Je fais un R. Ok. Ça m'énerve ce système. Voilà. Maintenant, on va dire. Mais non, toi, c'est bon, on a fini avec toi. Voilà. Maintenant, R. Voilà. Il nous faudra 4 d'or. Déjà, bon, j'en ai pris de la glace. Alors oui, je sais, j'ai oublié de dire. Il me faudra beaucoup de sable, c'est pour ça que je vais miner. Et une sturdy machine. Une sturdy machine. Il me faut simplement du bronze. Et le bronze, pour en avoir, il faut du copper avec du tin ou alors du tin de chaque version. Ça va me faire du bronze. En gros, déjà, il me faudra du bronze. Donc, pour avoir du tin, j'en ai déjà pas mal. C'est-à-dire de l'étain. Hein. Faut pas croire que c'est du thym. Ne pas confondre. Alors avec mes stacks de fer, on va tout d'abord commencer par... Attendez. Alors, on va déjà commencer par en faire cuire. Bon, avec ça, hop. Je pense pas que j'en aurai assez, mais c'est pas grave. Pour en avoir assez pour faire un iron furnace, qui sera assez important pour la suite de notre aventure. Parce que l'Iron Furnace, comme je vous l'ai dit, c'était un objectif que je m'étais lancé. Voilà, on va attendre un petit peu. Vous croyez que j'ai cheaté? Non, je n'ai pas cheaté. Je l'insiste parce que sérieux, j'aime pas les gens qui disent ça quand je l'ai pas fait. Cacao bean, ça c'est super que j'en ai. J'en ai trouvé dans les coffres des donjons.
Sinon, d'après ce que j'ai vu, j'ai plus... Je vais faire une photo quelque part. Ouais, c'est vrai que j'ai agrandi les coffres. J'ai plus un stack de string, enfin de string, de string là. Hein. Dans, j'ai fait 4 donjons en tout et j'ai trouvé quand même 3 force boosts qui va être simple, facile pour les computer craft, le mode, crowbar, etc. Alors, attendez. On va aller prendre ce qu'il y a ici. Hop. Et de l'autre côté, il doit y avoir du fer. On va se créer un Iron Furnace. Voilà. Et je vais faire une petite ellipse parce que je suis dérangé. Oui, ben, alors à tout de suite, je l'ai posé, regardez, il a la même forme, c'est juste qu'il en fait. Bon, à tout de suite. Alors les amis, me revoilà après cette petite ellipse. Je crois que j'ai mal remis mon micro. Voilà. Donc on venait de créer l'Iron Furnace, j'ai laissé mes... Bah, tout fonctionner pendant que j'étais parti autre part, dans un monde différent. Bon, j'ai tout laissé fonctionner. On va reprendre un peu de charbon. Bien sûr, là, j'en ai pas assez, hein, je vous l'avoue. J'aurais pu prendre, hein, mais vous inquiétez pas, des fois, je me ferai quelques petits trucs de grosse, tant que vous serez pas là. Et j'irai miner, miner, miner. Voilà. On a déjà plus de 45 de fer. Ce qui est déjà pas mal, on devait déjà avoir un petit stack de fer. C'est vrai que j'aurais pu tester avec vous l'Iron Furnace, en fait y a rien de nouveau dans l'Iron Furnace. Toi, on va pouvoir te... Hop. Non. Et oh, voilà. Donc, mon fer est bientôt prêt, les seaux je les ai même pas craftés, je les ai trouvés, hein, je vous assure. On va mettre ça en haut pour le moment. Je vais agencer tout ça en bas pour que plus tard, en bas de ce gros trou, plus tard on aurait toute une usine, je vais tout miner, miner, miner. Je sais pas, je vais peut-être en accélérer, même si moi je suis pas fan des accélérés, je ferai peut-être en accélérer. J'ai 2 coffres en plus, ce qui pourrait servir pour mettre toute la nourriture. En gros, je vais les mettre, je sais pas, j'ai pas envie que ça devienne un bordel pas possible, donc je pense que je vais faire ça en hors ligne et je vais vous présenter ça dans le prochain épisode. J'espère que cette série vous plaît. Moi, elle me plaît énormément, c'est pour ça que je tourne 2 épisodes à la suite. En général, j'attends un peu, parce que j'aime bien voir les commentaires des gens. Alors, on va déjà commencer. Alors, on a mis un Iron Furnace, on va en mettre un deuxième, parce qu'on n'en a jamais assez. Comme ça, on aura 4 fours pour faire cuire tous nos minerais. En gros, je vais me faire un petit dernier. Ça nous aura utilisé un tout petit peu de fer. On va les mettre symétriquement, hop, pour que ça ait un minimum la classe. Moi, je voulais regarder ça. Regardez. Iron Nuggets. Je crois bien qu'on a pas ça dans la vie normale. Alors, on va utiliser aussi du fer. Non, juste du marbre, hein, marble. Bon. On a aussi, je vais aussi utiliser, attendez. Alors, j'en ai environ 60 de fer, on va prendre l'or. Gold, là, et on va le faire cuire dans les nouveaux coffres. Alors, dans les nouveaux fours, je veux dire, oh là là, moi je suis un peu... Ouf. Voyez que c'est légèrement plus rapide. En gros, ça nécessite une, on va dire, une économie de charbon. Allez, hop, je vais essayer, 1, 2, hop, voilà, je vais la reprendre, hop, voilà. Comme ça, on envoie le fer, l'or, je veux dire, cuire. J'ai en recherché pendant les autres épisodes, ne vous inquiétez pas. Non, mais quand même, j'en reviens pas, hein, 32 diamants. 31 ou 32, attendez. 32 diamants. Ils vont bien nous servir parce que déjà en premier objectif je l'avais déjà dit je vais pas non ça c'est de la déco ça hein, on s'en fout on va créer ça je suis passé devant quoi voilà on va créer ça en gros il nous faudra 3
6, non, 3, 3, 7, 7, 11. 11 diamants, plein d'or, etc., etc. Attendez, je vais regarder un truc. Ok, c'est plus X, voilà, je peux voir les enchantements disponibles. C'est sacrément bien ça, regardez, je mets une pioche. Et je peux savoir qu'est-ce que je peux avoir. Fortune, j'ai des chances d'avoir en level 9 une fortune. Bon, je vais tester ça dans une map plutôt autre que celle-ci. Bon, alors on est. On va descendre. Bon, je vais peut-être un escalier un jour, comme ça ce sera plus rapide pour nous. Oh, j'en ai encore. Ah ouais, j'avais quand même un peu d'or. Eh bien, dans le prochain épisode, normalement, début d'épisode, vous verrez ma map test où je vous montrerai ce que je vais faire dans l'épisode, ou plutôt le prochain système que je vais vous présenter. Moi, j'ai rien à faire cuire si je sais pas où, comme ça. C'est bien que je sais pas quoi faire cuire avec le peu qui reste. Donc, voilà, les amis, je pense que l'épisode est court. Je sais pas, pour moi, c'est vachement long. Enfin, sacrément long, je veux dire. Parce que moi, j'aurais quand même été miné pendant 2 heures, IRL, hein, pas 2 heures en time. En gros, j'aurais été miné 2 heures. Normalement, le samedi, normalement, vous devriez voir ma revue Snapchat qui va sortir. Peut-être de nouveaux tutos sur Buildcraft et bientôt du Industrial Craft. Ça, c'est pas encore certain, mais bon, je vais voir. Et on se retrouve pour l'épisode 3 de Yoshi Industry. N'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre, faites tout ce que vous voulez. Laissez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Ça peut toujours être intéressant de voir vos avis. Allez, merci d'avoir visionné cet épisode sur ma maison, je trouve classe. Bon. Ok, bon, voilà, bon, on termine par un petit fail. Allez, à plus.